Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je sais que vous aimez trop le clash, mais cette vidéo n'est pas un clash. Je dis bien, cette vidéo n'est pas un clash, mais juste que je veux ouvrir les yeux de mes frères camerounais. Regardez ça. Ok. Voilà. Voilà le duplex de Gaston International. Quoi? Voilà le duplex de Gaston International. Ah bon, hein? Il y a la Campo. Comment mon petit frère? Si, mon petit, on va prendre dans l'intérieur tout. Il a fallu le clash. Il a fallu ce problème pour que vous montrez réellement que je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Mais j'ai fait. C'est après qu'on va voir qui est cette personne. Voilà, je mets ce duplex en vente parce que je veux prendre cet argent pour investir dans un grand projet. Donc, ceux qui ont besoin de ce genre de duplex, parce qu'on va filmer l'intérieur, vous-même, vous allez voir. Et on a comment? Hey, boss. Comment? Non, ça va, boss. Comment? Oh, t'as la forme? Oui, boss. Mais le gars n'a pas encore commencé avec les tarots, comment? Il est où? Non, je suis dedans, là. L'autre là, il est dedans. Mais tu devais mettre ici depuis. Allez, laisse les gens. Tout le monde a déjà vu cette image, ça date peut-être de 3 ou 4 jours. C'est une grande maison que mon ami Gâteau International, pour ne pas dire Madeleine ou Kumba, Gâteau International nous a présenté donc cette image en disant que c'est sa maison, qu'il roule avec le boss, mais il a une belle maison. Mais dans cette vidéo, il nous faisait comprendre qu'il est en train de vendre sa maison. Et dans la vidéo, on voit comment il salue ses employés. En fait, les maçons, les manœuvres, c'est les manœuvres, c'est les maçons qui sont au chantier en train de travailler, dans son chantier en train de travailler, qui lui donnent le café, patati, patata, on l'appelle boss. Oh. Sauf que, plus tard, vous savez qu'on est sur Facebook, ça vient nous trouver toujours sur Facebook. Donc, si tu mens, ça va toujours te rattraper. Quand je me baladais sur Facebook, je tombe sur la page de Moustique le Charismatique. Je vois les mêmes images, même immeuble. Mais là, c'est Moustique le Charismatique qui publie qu'il est en train de vendre. Mais sans toutefois faire allusion à Gâteau International. Mais cette fois-ci, je vois plutôt le contact d'un benguiste sur la maison. Donc, maison à vendre. On a cité les différents trucs. Oh, lui nous faisait comprendre que c'est 3 appartements, mais c'est plus que ça. J'ai dit Gâteau International nous faisait comprendre que c'est 3 appartements, mais c'est plus que ça. Alors, on a cité tous les différents, comment l'immeuble est constitué, et à la fin, ce numéro d'un benguiste. La question que je me pose, c'est que, pourquoi ne pas être réel dans la vie? Pourquoi toujours vendre le rêve, vendre les illusions aux jeunes? Est-ce qu'on a besoin de ça? Vous voulez même que votre jeunesse devienne même quoi? Tu présentes la maison d'un benguiste. Peut-être que quelqu'un t'a supplié là-bas en Benguiga. Pardon, trouve-moi un client sur ma maison. Mais tu présentes la maison plutôt comme ta propre maison. Il fallait me dire ça à la fin. Tu dis que les gars, je blague. Je suis qu'un pauvre mendiant, je n'ai rien. Mais tu dis que c'est ta maison jusqu'à la fin. Tu vois un peu, non? Bon, on a compris que tu es en train d'aider quelqu'un à vendre cette maison. C'est une bonne chose. Tout de même, comme tu as fait cette vidéo où tu étais à la véranda avec le chien de ton voisin. Tu as dit que c'est ta maison. Mais on ne comprend pas comment tu es assis. Tu as dit que c'était ta maison. À la véranda de quelqu'un. On voit les carreaux. On voit même les escaliers. Mais quelques jours plus tard, tu nous présentes plutôt l'immeuble avec une grande barrière. On ne voit pas les escaliers pour entrer. On ne voit pas la véranda car elle avait les carreaux blancs. On ne voit pas ça. Ah, ou peut-être tu as 2 maisons alors. J'ai dit comme ça là-bas, les amis. Ouais. Vous voulez entraîner même les enfants dans quelle bêtise comme ça? N'y a la campo. Gâteau International ne parle pas trop. Hein? Vous m'avez surestimé. Je vais vous montrer qui je suis. Quand vous faites ça, les enfants rêvent. Pourtant, ils pensent que c'est vrai. Pourtant, ils rêvent du mensonge. Vous allez mentir les jeunes comme ça jusqu'à quand, les amis? Eh, mon ami Gâteau, ça nous laisse à croire que même
toutes tes vestes, tout ce que tu montes. Peut-être même l'imposte là, même. Peut-être c'est un pour ton ami que tu roules avec. Il faut que tu nous présentes les papiers de ton poste là pour qu'on se rassure que même ton poste là t'appartient. Tu comprends un peu, non? Mais en somme, en conclusion, pardon, arrêtons vraiment ces histoires de vente d'illusions aux enfants sur les réseaux sociaux. Ça détourne notre jeunesse. Oui, ça détourne notre jeunesse. Ça fait que les enfants rêvent, les enfants abandonnent même leurs études parce qu'ils veulent venir sur les réseaux sociaux être riches comme ce que vous les présentez. Pourtant, ce n'est pas vrai. Dites la vérité aux enfants. Chers jeunes, qu'on ne vous trompe pas, cherchez à avoir un emploi. Parce que nous-mêmes là, avant d'être sur les réseaux sociaux, on a d'abord notre emploi. Nous, on a notre boulot. Voilà. Cherchez d'abord à avoir, même si quelqu'un veut venir sur les réseaux sociaux, pardon, cherchez d'abord à avoir un métier, avoir un emploi stable. Avant de te lancer sur les réseaux sociaux. Vous avez bien compris, non, les gars? Sinon, les vendeurs d'illusions, les vendeurs de rêves, comme vous les voyez, machin, prendre les maisons des gens, prendre les voitures des gens pour venir vous se faire voir sur les réseaux sociaux là. On va toujours vous baigner comme ça, là, baigner comme ça. Et vous allez vous retrouver au carrefour de si je savais, comme plusieurs sont à retrouver là-bas. Mais si je savais, vient toujours tard. En bon entendeur, salut. Entre-temps, inscrivez-vous. Il y a les petits coins d'inscription dans tous les carrefours. Prenez juste 5 minutes pour vous inscrire pour la liste électorale. C'est très important, les amis. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Et pour clôturer, il y a Mendès Saint-Air, l'entreprise qui fait dans la pisciculture, qui lance une formation le 25, 26, 27, 3 jours, formation en ligne. Donc, peu importe le pays où tu te trouves, contacte le numéro, il s'affiche là pour payer ta formation. C'est 10 000 seulement la formation. Formez-vous. Apprenez à faire quelque chose. Il y a l'agriculture, il y a la pisciculture, il y a... Ne pensez pas seulement que c'est aller à la poste centrale, verser les chargeurs au sol. Qui peut sauver la vie, qui peut donner de quoi manger. Tout le monde ne doit pas être en ville. Désolé de vous dire ça, c'est pas une moquerie, mais tout le monde ne doit pas être en ville. Quand ça ne va pas, quand c'est chaud en ville, cherchez à faire quelque chose. Retournez dans vos villes, les villages qui produisent bien. Que la terre est vraiment à rentrer cultivée, les amis. Lancez-vous en pisciculture comme notre frère lance la formation, la formez-vous. Faites quelque chose. N'attendez pas seulement que le gouvernement vienne tout faire pour vous. Nous-mêmes, là, si on attendait le gouvernement, c'est que vraiment, je ne sais même pas, c'est qu'on est seulement en route pour Mbeng. Comme vous voyez les jeunes mourir sur la route de la Méditerranée, sur la route de Boza et tout ça là. Donc, les gars, sortez de l'eau, sortez de l'obscurité, de Ndénéo et battez-vous. Travaillez dur. La vie, c'est la bastonnade. On est ensemble, c'est le général Franco. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.